BJR. Pas de Bloom. Français, running. Bah, ça a l'air bien. Ah oui, non, ça, ça marche pas, ça. Bon, je l'ai vu aux US, je l'ai vu chez Quev. Je l'ai vu partout. Enfin. Je bois toujours dans mon verre doseur. Hector Kitchen. La cité Ezo, les Gougounes. Bogdanou, Zarnécher, Périt. Merci. Bien le bonjour. Aujourd'hui, bon, ce jeu de con là. Et après, Albion. 2 heures. 2 heures Albion. Et après, au dodo. Commencez avec un rocher, un fer, un bronze, un argent, en or, un ballon de plage, un pneu, un ballon de foot. Un basketball. Un rocher, hein. Bon, ceux qui savent pas c'est quoi le jeu. E pour le guide de contrôle. Courir, zoomer, rouler. SD, caméra, left, right. Ah, attends, parce qu'il faut qu'elle roule droit. Oh. Attends, alors pourquoi la boule elle pousse pas droit? Pousse. Parce que chez Quev ça poussait droit. Ah ça y est, ça pousse droit là. Mais, non mais... Une fois que j'aurai les contrôles, ça ira mieux. En fait, comment tu te détaches de la boule? Ah, ça y est, je commence à la voir. Ok, ok, c'est bon. Imperdable. Moi, je pense qu'on one-shot le jeu. Ouais, c'est plus Katamari Damashi. Ouais, c'est un peu Katamari Damashi. J'aurais dû être ça, mon titre. Mais galère, hein. Ouais, la musique, on en peut plus déjà, hein, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Attends, je suis arrivé à contrôler la boule là. Clic droit et clic gauche.
peux contrôler la boule quand même un peu. Oh, mais c'est gagné. Oh, mais c'est facile. Regarde là, elle penche à droite, hop, à gauche. Vous entendez Mintos, mais de loin. Allô ? Non. 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 Ok. Alors là. Katamari Damashi, c'est vraiment rigolo, faudrait que je le mette. Faut que je le mette en titre. Là, déjà je baisse ça. Katamari. Katamari Damashi. Bravo, bravo à celui qui a trouvé. Elle marche la commande pour Albion, parce qu'on va falloir jouer à Albion à un moment donné. Et je pense que je serais content d'y jouer. Albion. Il y a le timer ou pas? Ah, il n'y a pas de timer, c'est pour ça que ça se déclenche pas. Hop. Je ping, hop. En vrai Albion, c'est un peu mon jeu. Hein. C'est un peu coupé du bois simulator, mais en MMO. C'est clairement mon jeu. Hein. Celui qui a trouvé, non. Celui qui a trouvé, il a le droit d'être un bon soumis de merde. Et voilà, c'est tout. Mais moi, j'avais joué un peu. Hein. J'avais joué pendant un bon mois ou deux, hein, je me rappelle, à Albion, il y a 9 ans. Ma boule! Non, ma boule! Rien, c'est le tuto. Non mais là, je savais pas, c'est pour ça. Allez. Merci. 100%, on va devoir se taper notre belle-mère. Bonjour. Vous avez besoin d'aide avec votre boule, Monsieur Tos? Non, c'est ma boule. Ça, c'est ma boule, enculé de ta mère. Personne touche à ma boule. Le mode bousier.
Ça fait un gros bousiller quand même, hein. Combien de temps avec un jeu parage 8, hein? Garde avec une main. Roule ma boule, ouais, jusqu'à midi, hein. J'ai dit à peu près à midi, l'OP. Après à midi, si je suis en plein checkpoint, voilà. Hein. Sisyphe, c'est quoi? Ah, je sais pas. Je sais pas c'est quoi l'histoire de Sisyphe. On peut, hein. Vous voulez l'histoire de Sisyphe? C'est quoi? C'est Sisyphe, il s'appelle? Sisyphe, histoire. Attendez. Ah ouais. C'est quoi l'histoire de Sisyphe? Ou l'histoire de Sisyphe? Alors, hop. Veuillez cliquer sur le coin supérieur droit. C'est en français là. Ah non, F. Français. Comment ça, ça marche pas? Attendez, je cherche. Ah, qui c'est qui va... Céleste. Je me retrouve souvent à penser au... J'ai hâte de voir où la vie... Je m'assis sur le... Bonjour, je m'appelle Rémi. Ah, c'est le mec des... C'est le mec du code, ça. Hop. Vas-y, lis. Dans la mythologie grecque, Sisyphe, fils d'Éole et d'Énarété, est le fondateur mythique de Corinthe. Certains textes de l'Antiquité le nomment Osésépho. Il est l'époux de la Pléiade Mérope, fille d'Atlas et de Pléionée, de qui il a trois enfants, Ornition, Sinon et Glauco, qui devint le grand-père de Bellérophon. Pausania en cite deux autres, Almo et Dersandre. Certains récits font de lui le père d'Ulysse après avoir violé Anticléen. Sisyphe est surtout connu pour son châtiment, consistant à pousser une pierre au sommet d'une montagne, d'où elle finit toujours par retomber. Oh non, mais on joue un point, on joue un bizarre. Sisyphe est le fils d'Éole et d'Énarété. Son ascendance et sa descendance sont cités dans l'Iliade. Oh non, mais j'ai plus envie de jouer, est considéré moi. Comme le fondateur mythique de Corinthe. Selon Pierre Brunel, c'est parce que Sisyphe aurait construit un palais démesuré sur l'acro-Corinthe. Ma boule, ma boule. Que son châtiment dans les enfers aurait plus tard consisté à rouler un rocher au sommet d'une montagne d'eux. De son vivant, Sisyphe fonda les Jeux Isthmiques en l'honneur de Mélicerte dont il avait trouvé le corps gisant sur l'isthme de Corinthe. Gise. Dans les poèmes d'Homère, Sisyphe est le plus astucieux des hommes. Mais à partir d'Aristote ou d'Horace, il devient un personnage fourbe mais trompeur 3. Chez Euripide ou chez Hygin, il devient le père d'Ulysse à la place de Laërte. Ce rapprochement vient certainement du fait que les deux personnages symbolisent tous les deux la ruse 4. La ruse 4. Hygin ou Plutarque raconte en effet que Sisyphe possédait un beau troupeau dans l'isthme de Corinthe. Non loin de lui vivait Autolico, fils de Chionée, dont le frère jumeau Philamon était né des œuvres d'Apollon, alors qu'Autolico se disait fils d'Hermès. Ma boule. Autolico avait reçu de son père l'art de voler sans jamais être pris. Hermès lui avait donné le pouvoir de métamorphoser toutes les bêtes qu'il volait. Ainsi, et bien que Sisyphe eût remarqué que ses propres troupeaux diminuaient tous les jours alors que ceux d'Autolico augmentaient, Il fut tout d'abord dans l'incapacité de l'accuser de vol. Un jour, donc, il grava sous le sabot d'un de ses animaux son monogramme. La nuit venue, Autolico se servit dans son troupeau, comme à l'ordinaire. À l'aube, les empreintes des sabots sur la route fournirent à Sisyphe des preuves suffisamment concluantes pour convoquer les voisins et les prendre à témoin du vol. Il inspecta les tables d'Autolico.
reconnut les animaux qui lui avaient été volés à leurs sabots gravés, laissant aux témoins le soin de punir le voleur, il fit le tour de la maison, pénétra et viola la fille d'Otolico. Non, mais arrêtez, putain. Anticlée, enceinte à la suite du viol, épousa Laerte, puis fut conduite à Alalcomène, en Béotie, où elle mit Ulysse au monde 5. Putain, mais c'est vraiment un horrible, quoi. Sisyphe est surtout connu pour avoir déjoué la mort, le dieu Thanatos. En échange d'une source qui ne tarirait jamais, Sisyphe révéla au dieu fleuve Asopo où se trouvait sa fille Égine, enlevée par Zeus, qui la désirait et avait pris la forme d'un aigle. Oh. Asopo fit fuir Zeus, mais ce dernier en voulut à Sisyphe, il envoya Thanatos le punir. Cependant, lorsque le génie de la mort vint le chercher, Sisyphe lui proposa de lui montrer l'une de ses inventions, des menottes. Il enchaîna Thanatos, si bien que ce dernier ne put l'emporter aux enfers. S'apercevant que plus personne ne mourait, Zeus envoya Arès délivrer Thanatos et emmener Sisyphe aux enfers. Voilà, il n'y a plus personne qui meurt, on va en envoyer... Mais Sisyphe avait préalablement convaincu sa femme de ne pas lui faire de funérailles adéquates. Non, mais il y en a marre. Il put ainsi convaincre... Oui, c'est un pointu, c'est un horrible, voilà, on joue un horrible. On condamne, bien sûr. C'est un horrible, on lui a volé sa poule, du coup il a décidé de faire des trucs bizarres. TLDR, il aime bien mériter de pousser sa boule, voilà. Il portera pas la flamme. Ah bah en vrai... Au JO de Paris, il avait toutes ses chances de porter la flamme, là, hein. Avec une telle histoire. S'il n'y avait pas Baptiste, je pense qu'il y avait Sisyphe, hein. Il aurait pu prendre la place. Oh. Non mais oui, c'est vrai que l'histoire, les Grecs, c'est toujours des histoires, hein. Ils sont obsédés. Futur ministre. Voilà, il a les plus hautes positions, hein. Go écouter une version. Bah moi je veux bien, mais s'il y a des histoires de V-Word toutes les 5 minutes, je suis moyen chaud, hein. Bon, c'est un peu trigger. Ils sont en rut, quoi. M'en fous, moi je pousse ma boule. C'est quoi les tips que t'as, Quev, pour bien pousser ma boule? Faut pas laisser tomber la boule, ok. Attends, alors on a bien vu qu'à droite c'était pas bon. Voilà, les Français au bout de deux mandats, puis like. Les Français au bout de deux mandats de Macron. On a vu qu'en droite, à la droite ça l'est pas, du coup on va voter extrême droite. Allez. Bah génial. Non, ma boule. Moi quand je vois la presse là, j'ai peur, hein. 2027 là, ça fait bader, hein. Ma boule.
Dans ma boule. Non, fais chier. Non, avec un peu de chance. Non, c'est bon. Non, 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 non. Oui, oui, ça va bloquer. Non. C'est quoi les tips? Il faut garder bien droit. Oh là, attends là. Ça va vite là. Gardez bien droit. Quel est le meilleur côté pour passer? Oui. Ah, ça oui. Alors bien droit. Comme ça là. Là on n'est pas droit là. Ça peut pas être si long que ça, de toute façon, le jeu. Six heures quand même pour Quev. 6 heures. Pff, sachant que Quev il finit les jeux les yeux bandés. Oh. Donc je compte quoi? Je compte x5. Non mais c'est vrai qu'on pourrait s'instruire, on pourrait se mettre un TTS à côté. Le world record français est 1h22. Oedipe, non pas Oedipe. Non mais c'est qui le moins pointu des Grecs? Dioniso, ça doit être un immonde, il est tout le temps bourré. Ulysse, Zeus, Nikos Aliagas. Hercule, ouais j'aurais dit Hercule moi. Hercule, demi-dieu, c'est un humain, ouais bah non si c'est un humain. À mon avis Hercule c'est un vilain aussi hein. Hercule, Ulysse il veut voir sa femme, ah oui j'avoue. Non, 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 non. La boule. Ok. Non. Droit, il a dit droit. Oedipe, mais Oedipe, comment ça Oedipe? Rien que dans le nom, tu sais que c'est de la grosse baise, Oedipe. Que non, pas Oedipe. Oedipe, il fait pas exprès. Salut la commu. Salut le chat. J'espère que vous passez une bonne journée. Il a des momies issues, littéralement. Ulysse. Moi, je pense Ulysse, c'est un bon gars. Bon, alors on a bien vu qu'à droite ça marchait pas. Ouais, mais à gauche là ça marche pas non plus hein.
Il y a le troubadour là. On pourrait passer entre les deux là, mais je vois pas comment faire en fait. Ou alors là, mais il faut pas que... Là, non, voilà, pas ça. Non, pas ça. Ok. Oh, le PB! Voilà. Préparez-vous à voir ce jeu après partout. Hein. Donc là, ouais, à droite ça passe là. Exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. Non, j'ai pas vu la caisse. Les cheveux, oui, les nordiques aussi. Bah, les nordiques, ils pillaient des villages, donc oui. Alors, là, faut passer bien au milieu. Non, 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 je me suis trompé. Vas-y, reset de boule. Voilà, reset. Là, faut passer au bon moment, là. Salopard. Oui. Là, c'est quoi la fuck mash là? Pourquoi il y a double fuck mash? Sacré fuck mash là. Hein. Xavier Dong, il va vous vendre ça là. Il vous a pas dit là. Il veut vous vendre des... Attends. Non, c'est baisé, c'est baisé, c'est baisé, c'est baisé. Ok, pour le bébé. Oh là. Non. Faudra aller un peu vers la droite là.
Alors c'est pas si incontrôlable que ça. C'est juste que c'est honteux au niveau difficulté quoi. Dit-il. C'est juste que bah t'as pas le droit à l'erreur. Après c'est le début. Là, faut drifter là, comme la 308 du Seigneur. C'est pour le bébé, ça. Ça, faut partir du principe, ça, c'est comme les voitures, ça. Faut y aller en escargot. Hop là. Non, non, non. 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 Oui, mais elle va aller sur la... Va sur la droite! Bloque-toi! Par pitié, bloque-toi! Oui! Bloqué! Non! Bloque! Elle est bloquée, bloquée! Oh oui! Oh, le jeu est sympa! Mais bon. Il est bien ce jeu. Hein ? Bon, j'ai hâte que GDGI joue à celui-là. Du coup. Je crois que... Non, c'est Antoine qui avait bien aimé Alt F4. Il y a une fin. C'est quoi la fin? Il finit par finir par arrêter de pousser sa boule, Sisyphe, ou pas? Bon, c'est une fin, hein. Comme à tout, hein. Un début, il y a une fin. En fait, la fin, elle était derrière la, derrière le start. Et t'as poussé ta boule pour rien. Et voilà. Dans Mythologie, il ne finit jamais. Ah, il pousse encore sa boule, là? Vraiment? Et il pousse... Il est où? Il faut l'aider, ce pauvre homme. Enfin, non, ce pauvre homme, c'est pas... Non, c'est un pointu, donc non. Rien. Il mérite rien ce chien.
Hop là. Oh non, eh non, mais ça c'est pas bien ça. Ah, changement de bruit. Ah, c'était pas agréable, mais là c'est encore plus désagréable. La tour de la terreur. On voit la fin, ça y est, elle est là. Putain, génial. Alors attends, tempo. Fort, hein. Alors là, c'est quoi le bas ici? On peut passer là. On est bien au milieu, quoi. À droite là. Okay. Faut pas grid. Dans tous les cas, faut pas grid. Minker. Elle a un nom, la boule? On est là pour longtemps, hein, donc autant lui donner un petit nom. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez. Oh, il y a des quenouilles. Il y a même des quenouilles.
bien juicy là. Pardon, je suis là. Non, mais regardez, on la voit à la fin là. Moi je la vois là, après les cactus là. En tout cas, le dieu qui a construit cette merde là, il s'est pas foutu de notre gueule hein. C'est bien plat. C'est toujours la même, c'est toujours la même inclinaison. Ça veut dire que l'effort est constant. Pourquoi je pousse les pierres pour mes péchés, parce que on m'a volé ma poule, du coup j'ai fait des trucs bizarres et du coup je dois pousser ma pierre. Fait le sexe, non. C'est quoi ce biome? Pourquoi ce biome existe là? Il est tout pourri ce biome là. C'est pour. Ouais, voilà, c'est chaque biome ça dédouane d'une OPSP, c'est ça. Plus je fais des biomes, plus j'ai le droit de faire d'OPSP. Bien vu. C'est le bomb juicy. Putain, les cactus. Quand ça va tomber? Mais non, mais ça va pas tomber, quoi. Crois en moi. J'ai envie de regarder derrière. Ça, je pense, c'est ce qu'il faudrait que je calme ma boule pour que je puisse regarder le chemin que j'ai fait. Allez! Un calboule mon jeu. Il y a déjà un... Oui, c'était mon titre, la boule de Fort Boyard, mais en fait il y a quelqu'un qui avait un meilleur titre que moi. Tiens, qu'il va falloir poser pour jouer à Albion là. Comment je vais faire? Je suis sûr il n'y a pas de pause, il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu. Que la boule redescend. Arrêtez! Il y a des sauvegardes, Quev? Dis-moi qu'il y a des sauvegardes. Il y en a? Continuer, menu principal. Régénérer. Il y a pas?
Non. Doucement. Bloc, 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 bloc. Oui. Minku, Minku. Par contre, si je sautais et que je sautais vite, si je faisais un double saut, ça passait à droite là. Hein. Non, alors attends. Arrête. Non, 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 oui, non, ok, on refait. Le clutch là-dessus. Oh, le clutch là-dessus. Ouais, je roule ma boule, moi. Oula. Minku, Minku, Minga, Minga, Minker, Minker. Mort, mort. Ah non. C'est 1, 2, 3. On voit la fin là, ben oui.
oui, bloc. Bien, bien. Moi j'ai cru que c'était de la banane, mais c'est du feu en fait. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Non. C'est foutu. Non. Le replay. Mais là ça passera pas là. C'est bien ma boule. C'est bien, c'est bien. C'est bien là. Foutu. Allez. Quoi? Ah. Je reviens, je vois les chiens. Les ching, ching, mouching. Torsion testiculaire là. Je ne connais rien de plus stimulant qu'un nouveau compagnon. C'est bon, j'ai les chiens. Ok. Vous trouvez que mon niveau est comment? Moi, je trouve que je suis pas horrible.
Normalement, je suis un peu horrible à ces jeux. Moi, je trouve que j'ai des strats, hein. J'ai des moves. Des petits passements de jambes. Il y a quand même des petits checkpoints, quoi. Bah. C'est bruit de force là. Ouais, c'est chaud un peu ça, les lance-bananes. Voilà, c'est chaud là. Oh non. Ok, c'est rien. Ok, c'est bon, on a passé. Légende du club. C'est que ça. Ok, le fouet. Oh, c'est le poule. On peut sauter sur la boule. Oui. Courir dessus, je sais pas. Eh, mais il y a le trident là-bas. C'est la fin, ça. Je peux. Témis. Touchez pas ma boule, hein. On est à une heure. C'est bon, je suis fort, là. C'est fini, là.
c'est déjà fini. Je l'ai dans la tête, le jeu. Touche pas ! Soumis. Oh, il touche ! Oh, sac à merde. Il y a des skins, ouais. Mais j'ai pas, j'ai que le skin de base, moi. Ah, t'as des boules, t'as des boules différentes. Connard. Pas trouvé mon mime. Ça, tu passes en direct, ça, si tu veux des photos. C'est cher, hein, par contre. Hein. Ça, c'est de la thune, hein. Ça va pas te donner, hein. J'ai un peu un micro-pénis aussi, donc tu vas pas être gâté, hein. Tu vas pas en avoir pour ton argent. Ah merde, Léon, mon fils de 7 ans. Pardon, Léon, écoute pas ce que je dis. Écoute pas ce que Minto s'y dit. Je dis les prémices, c'est mon chien. Prémisse. Micro-trémisse. Ok. Et là, ça glisse? Ah non, comme un rock. Ok, bon, ça c'est de la baise, c'est pour genre faire ça tombe. Chanteur de Métronomie, c'est mon sosie. Ah bon? C'est qui ça? Oh, il y a des bombes! Oh non! Bon, j'imagine qu'il faut éviter la gadoue. Sosie, c'est un peu fort, bon. Okay. Ah, du coup, je suis curieux là. Métronomie. Ah, en vrai, il y a un petit truc. Il faut que je me laisse pousser les cheveux. Les cheveux bouclés, quoi. Je vois, je peux voir. Très vite fait. De toute façon, je coupe plus, hein, mes cheveux là. Mes cheveux et ma barbe, je coupe plus. C'est horrible dans la vraie vie. J'ai dit, hein, je coupais plus. À cause de Spidon. Mais il est sympa ou c'est un vilain? Le chanteur de Métronomie. Ou est-ce que c'est un horrible? Parce qu'attention, hein, les musiciens, on se méfie. Hein. C'est des bébous. Oui, bon. Par contre, là, je me suis enlisé, là. Ouais, voilà. Ouais, voilà.
pied. Oui, 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 oui. Tranquille. Là, ils ont même pensé à faire un trou. Bon, faut pas s'enliser, hein. J'ai jamais écouté Métronomie, du coup je suis curieux maintenant. C'est banger ? Ok. C'est quoi comme type de musique ? Moi, je suis retourné dans ma boucle mezzanine, là. C'est terrible. En vrai, on pourrait s'écouter mezzanine, là, hein, vu que j'ai mis la piste 6. C'est de la pop. The Look. J'en connais une ou deux. Ah, Métronomie. 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 La plus connue, c'est The Look. Putain, maintenant je vois plus que ma tête. Oui, j'ai dû, mais... Ok. Je sais pas trop ce que j'écoute, mais oui. Après, moi, j'écoute de tout, donc... Est-ce que j'essaie de faire le dingus là? Ah! Y'a la lance, elle se rapproche là, la lance. Alors pas grid. Au milieu. Il y a du vent.
enfin, contrôler ta boule, là. C'est une musique de banque, ça. De banque. À droite, c'est mieux là. Okay. Je vois la lance. La baise au cul, la baise au cul! Faut pas faire ce que je fais là.
Putain, je vois la fourche. Près de la fourche. Alors, c'était passé à droite, à gauche. C'était bien passé. Si près de la lance là. Non, je suis en train de faire un avec ma boule. Imminent. Voilà, on n'a jamais été aussi près du trident là. Oh non. Il y a des canons. Elle est là, hein. Elle est là, la lance, là.
Le mur, c'est triché. Non, puis le sol aussi, oui. On a la fourche, là. C'est quoi? Est-ce que c'est un checkpoint? Oh, j'en rêve. Mon rêve. Une check-lance. Thémis, casse-toi. C'est pas le moment, Thémis. Faut pas travailler là. Me mord, ce fumiste. Je veux sortir ? Là. Oh, on propose un salaire fixe. Ah! Ok. T'es fort. T'es immense, Mintos. Et la lance là. Oh, dis-moi c'est un checkpoint. Dis-moi c'est un checkpoint. C'est foutu. C'est foutu. Ok. Putain, c'est pas un checkpoint, c'est rien. C'est une blague. Succès.
Oh là là. Oh la physique de merde, ça y est. Le vrai jeu commence. C'était quoi, j'ai pas vu parce que mon écran il est dans un format bizarre là. Rosté de Crest de Calais. C'est bon. Désolé, hein, j'ai vu de la glace, j'ai vu de la neige, je suis... Bon, j'ai mon Québécois... intérieur qui s'est réveillé là. Je dis la nouille, hein, celui-là. C'est clairement un jeu-là, celui-là, oui. Je te dis toi. Non, non, non. Non. Oui. Oui, bloque-toi. Non. Boule de neige, la pétasse. Oui. Non. Bloque-toi. Non. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Bloque-toi. Oui. Non. Sur la droite. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Continue. Oui, oui, c'est bien.
Oui. Vas-y, continue. Je suis là, bibou. Viens voir papa. Non. Reste là. Non. Oui. Elle est descendue loin, mais... Non, il va falloir qu'on joue à midi, il va falloir qu'on joue à Albion en plus là. J'ai plus de 30 minutes pour finir le jeu. C'est agréable là, ce son là. Ça va, ça c'est pour les bébés. Ça c'est juste relou. Faut pas faire trop le dingue non plus. Je dissocie à cause du jeu. Oh non. Albion, j'ai regardé mon compte. Quand c'est que mon compte il avait été créé? Il a été créé en 2015. Une dinguerie. On va fermer du bois et du boulot pendant 2 heures là. On va se régaler, hein. Je vous le dis.
Je vous le dis, moi. Neuf ans déjà, et ouais. Créer des guildes des fers. Enfin, des guildes, y a pas de guildes. Bon, après. C'est vrai qu'en plus, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Dès que t'arrives dans les zones PVP, il faut faire des. Fallait faire des trains et tout, sinon t'étais dans la merde. Tu vois du bon de sa mère. Oh, faut refaire tout ça quand même là. Quoi ce bruit, c'est mes chiens? Ah non, c'est le frère là. Il est dans un état encore, Thémis. Au secours. Tu restes là, Thémis. Non, reste là.
sécher le chien parce que c'est un cauchemar. Non mais Thémis, t'es horrible. T'es pas un chien de pluie, Thémis, hein. Il est dans un état. Pourquoi il pleut aussi à Montpellier, là? Il est heureux. Ah, ça, il est heureux, hein. Merde, mon verre. Oui, mon verre, du coup. Oui, mon verre. T'es venu chercher un verre. Mon verre doseur. Mon verre doseur. À midi, il y a une maintenance de 10-15 minutes. Ah! Bah, est-ce que vous pouvez me dire quand c'est que c'est fini la maintenance? Comme ça, je joue après la maintenance. À midi 15. Ouais, mais les maintenances, c'est jamais... C'est pas une science exacte. Oh, putain. Salut Mintos, continue comme ça, tu es génial. Émoticône clignant de l'œil. Clignant de l'œil. On verra à midi et demi alors. Non, j'étais 5 minutes, 15 minutes. Ah ok, bon ça va, c'est des petites minutes. Bah, c'est normal, là, c'est la sortie, du coup, il y a plein de gens. Ok. Oh. Free to play, ouais, c'est free to play et avec abonnement pour avoir la vraie full expérience. En fait, c'est pas la full expérience, c'est que t'as des taux de drop, enfin t'as des taux de drop et t'as des taux qui sont plus élevés si t'as pris l'abonnement, enfin l'abonnement, si t'as acheté le jeu, quoi. Enfin, en tout cas à l'époque. Play te permet de tester déjà si... C'est un MMO du travail, hein. C'est très axé sur le crafting, c'est un peu à la New World. Enfin, du coup, New World a rien inventé, hein. Ils ont un peu pompé sur Albion, un peu beaucoup même. C'est du travail, là. Vous avez trouvé un autre jeu du travail, mais je peux pas vous le montrer celui-là, c'est Rusty Retirement, c'est un jeu où tu mets sur ton côté de ton PC et où tu plantes des panais. Et ça se joue tout seul. Là c'est un peu terrible là. Quand je travaille vite fait là, je fais des mini et trucs. J'ai Rusty Retirement. J'ai AFK journée et je mets un peu de temps dans Genshin Impact pour monter Arlecchino. Ces niveaux, hein, monter les niveaux d'Arlecchino, bien sûr. Le perso est trop craqué, hein, le perso est trop fort. Et après, faut que je monte Kamehameha Man, là. Faut que je monte Neuvillette, comme ça j'ai deux carries surcraqués.
free to play, 99 balles, ouais. Pas peu fier. Free to play. Genshin, ils m'ont donné bien plus d'argent que je leur en ai donné. Donc je leur donne gracieusement 100 balles. Non, sans larmes. Parce que je joue pas tant que ça. Si je jouais beaucoup, j'aurais plus de larmes, mais... Allez! Droit. Droit, 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 droit. Il veut pas. Va sur le côté. Pitié, bloque-toi, bloque-toi, bloque-toi. Mais pétasse. Oh non, vas-y, non. Oui. Non. Moi, je peux pas y aller, moi. En plus, il y a un mur après, donc c'est un checkpoint. Je ne connais rien de plus stimulant qu'un nouveau compagnon.
Quelle heure a le bureau? Midi, après la... Après la... La mage. Enfin la mage, la... La maintenance. Ah, y a une lance là-bas, c'est un checkpoint. The long drive. Non, même pas, hein. C'est un... C'est le jeu du pot. Comment il s'appelait, le jeu du pot, déjà? Getting over it, hein. Donc on joue Sisyphe. Sisyphe la merde. Sisyphe la merde. Oh non, faut faire les tourbillons là, c'est un cauchemar ça. Faut refaire tous les tourbillons, toute la glace. Putain, j'en bave. Ça aurait été mérité qu'elle tombe. Ok, c'est bon, on va s'arrêter. Ok. Regardez, il y a un sceptre là-bas. C'est sûrement un checkpoint.
On est pas si loin que ça. Je suis heureux, oui, je suis heureux car j'ai récupéré ma boule. Donc je suis heureux. Allez. Oh, je lui mets des... Je lui mets des Aini. Oh, je lui mets des Kni. Je lui mets des nids de Stark. Tiger Knee. Ah oui, j'avoue, c'est Sagat. Tiger Knee. Tous ces gens qui sont obligés de traîner Nazilan alors qu'ils pourraient jouer à ça. C'est le rossignol. Mon style de jeu, malheureusement. Non, parce que là je remonte, mais dans 20 minutes, 20-30 minutes, faut que j'arrête. Donc ça sert à rien que je remonte en fait. Sinon, faut pas que j'éteigne mon PC. Il faut que je le mette en minuscule. En rapt ici, sans éteindre mon PC jusqu'à demain. Un vrai titre pour la glace. Ah ouais, ouais. Tu peux sauvegarder. Comment ? Quand tu reviens au menu principal. Ah ! Moi je croyais qu'il fallait finir le jeu d'une traite. Oh, mais le jeu est simple alors. Plutôt que courir. Ah mais oui, t'es plus d'accord. Le jeu il dit pas. Exceptionnel comme jeu encore. Pourquoi je dois amener la boule? Parce que j'ai pêché. J'ai pêché, maître. Thank you.
putain, vilain garçon. Je reste avec ma boule maintenant. Jusqu'à la boule, jusqu'au sourire, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au trident là, c'est la fin le trident. Ah merde, mais attends, parce que moi j'avais mis mon tweet à midi. Bon, c'est pas grave, midi, s'il y a la truc, je peux pas jouer à midi. Bon, c'est pas grave, les gens ils vont arriver là, ils vont dire qu'est-ce qu'il fout. Comment je vais? Un peu fatigué. Un peu au fond de mon slip, mais on est là. Classique, c'est un peu, oui, c'est vrai que c'est un peu le classique. T'arrives sur le Minto, le stream de Mintos. 9h30, mais qu'est-ce qu'il fout? Heureux tous les jours. Alors quoi, il a dit, faut pas courir. On est bien remonté, hein. Je suis vindicatif, hein. On est au checkpoint là. En plus, maintenant, je mets des Tiger Knee à ma boule. Tu peux courir ou marcher. Tu pousses un peu moins fort, mais t'as l'air d'être plus dirigiste. Et clic droit, clic gauche. Ça bouge un peu la boule sur les côtés. Ça lui donne une clic droit, clic gauche. Tu bouges la boule, clic gauche droite. C'est le soumis. La boule magique. Ça fait déjà 2 heures que je joue à ça. Par contre, c'est un gouffre à temps, hein. Je vois pas, j'ai pas vu les 2 heures là. J'avoue, depuis que je mets des Tiger Knee, ça va un peu plus vite. Thank you.
boule. Tête de Sisyphe. Ah ça y est, on est de retour. Midi 1. Vous me dites hein, quand la maintenance elle est finie d'Albion. Alors fais voir, faut pas courir. Vous dites quand elle est finie la maintenance hein. Et là la maintenance est finie à 15h. Toute la stream. J'ai eu une OP. SPP. C'est quoi le trident? C'est trop bien. Comme une fourchette pour choper les merguez. Oh, ça aurait pu être là. Bah ouais, en plus le jeu il est bien là. Là t'as loupé 2 heures de gameplay là. Je ne connais rien de plus stimulant qu'un nouveau compagnon. Ah, Siri Wiz. Parce que regardez, après il y a un grand mur. Et le grand mur, à mon avis, pour qu'elle passe, la boule, c'est chaud, hein. T'as un petit checkpoint, quoi. J'ai fait le son pour un groupe de rock anglais. Un mec déguisé en beat. Une meuf. Ah. Faut manger, hein. T'es bien obligé, hein. Normal. Allez, concentration. La tête bien au milieu. On y va. Ouais, t'es grand Sisyphe. T'es grand, Sisyphe, t'es immense! Bon, par contre, il y a des rampes, hein, donc c'est pas du tout un... Ça
checkpoint. Pourquoi il y a ça là? C'est un bait. Il passe par là. Il met des petits défis là. Je pensais à Inox Tag, mais oui. Inox Tag, mon Kwaku Bébou. Regarde, je t'aide, Inox Tag. Je rapetisse l'Everest. J'ai pas pensé. C'est fini là, c'est fini la maintenance ou pas? On peut jouer ou pas? On peut jouer à Albion? Je veux game là. C'est encore en maintenance. Vous dites, hein, ceux qui jouent. Au pire, je testerai à Eva. 30-40 minutes. Oh. Donc à 40. Reviens. Oui. Non. Oui. Oh non, faut refaire ça. Thank you.
C'est rien. Mais là, je suis pas droit, là, tu vois. Moi, j'ai jamais supporté de jouer à ça, mais c'est normal. C'est pour ça que moi, j'y joue. Non, je regardais mon chien. J'ai regardé mon chien une seconde. Attention, Thémis, pousse-toi. Ah, Albion est up. Ah, parfait. Bon, vas-y. On y va. Ça va me faire du bien, là. Faudrait que je me trouve un moyen pour me caler la boule. Et on y va. Tous le monocouille. Hop là. Oh, j'aime bien ces trucs, c'est maintenant ce qui doivent durer 3 quarts d'heure qui dure 15 minutes. J'aime bien. Merci à eux. Ça, bonne journée, chippy chippy. On va bouffer de la queue et de la maintenance là, en 2 mois. Ok, j'arrive. Albion, j'arrive, hein, pliez-moi. Bon, 2 petites heures d'Albion. On va pas avoir le temps de voir grand chose, hein, mais. Ah, mais on en refait aussi vendredi. 2-2. Bon, on n'aura pas le temps de voir grand chose en 4 heures. On a le temps d'avoir fermé un peu de bois. Les bases du jeu. On sera heureux. On sera heureux, on va fermer du bois, on va être heureux. Fermer du bois, du minerai, on va être heureux. Surtout bois. Moi, j'aime bien, moi, mettre des coups de hache. Par pitié. Mais je courais pas. Ah là, je cours. Vas-y, je vais me caler ma boule derrière ça et après on y va. J'en ai marre. On prendra demain. On est quoi demain? On est mercredi demain? Oui, on est mercredi.
Mercredi, je stream matin. Jeudi matin, je stream pas. Mais je stream le soir. On a The Forest le soir. Jeudi. Jeudi soir, on stream. Vendredi, on stream. Vendredi midi, il y a du Albion aussi. Là, je me cale, là. Voilà, je suis bien là. Et là, je fais menu principal, là. Continuer. HD et 60 FPS, c'est pas recommandé. Pourquoi c'est pas recommandé? Ok, c'est bon. Tu fais rien demain? Bah oui.